Bonjour, je m'appelle Mukuyu Matsuma Fleury, professeur de mathématiques. Le cours que nous avons l'honneur de vous présenter en ce jour porte sur les nombres complexes, un cours destiné aux élèves inscrits au programme de terminale C et D. Nous allons insister essentiellement au point 5-7, lequel porte sur la résolution des équations du second degré dans C. Nous allons rappeler les différents cas qui existent, puis nous allons procéder à des applications pour voir comment on agit lorsque nous avons un exercice y afférent. Alors, l'équation du second degré dans C peut se présenter sous cette forme. AZ au carré plus BZ plus C égale 0, où A, B et C sont des nombres complexes. Bon, ici, nous avons généralisé, hein, parce que nous savons également que les réels sont des complexes particuliers. Mais donc, ici, nous avons généralisé A, B et C sont des nombres complexes, attention, avec A différent de 0. Donc, un complexe non nul. C'est ce qui nous permet, effectivement, d'avoir une équation du second degré. Alors, lorsque nous avons une équation du second degré, et lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser les produits remarquables, eh bien, l'astuce est quoi? On calcule le discriminant. On rappelle la formule du discriminant. Le discriminant est égal à B au carré moins 4 multiplié par A multiplié par C. Alors, les différents cas qui existent vont se distinguer en fonction des résultats de delta que nous allons obtenir. Alors, nous pouvons avoir 4 cas. Le premier, si delta, le discriminant, appartient à R+, c'est-à-dire que c'est un réel positif, alors on a deux solutions distinctes. Lesquelles peuvent être obtenues de la manière suivante. On peut avoir donc Z1 égale moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Et Z2 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Il peut également arriver que le déterminant, donc le discriminant, soit égal à 0. Donc, si delta égale 0, on a une solution double. Qui nous donne donc Z0 égale moins B sur 2A. C'est donc le deuxième cas. Troisième cas, si le discriminant appartient à R-, ça nous donne un réel négatif. Eh bien, là également, on a deux solutions distinctes. Qui se présentent de la manière suivante. Mettons deux points. Z1 égale moins B moins I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A. Et Z2 sera égal à moins B plus I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A.
Et le dernier cas, eh bien, le discriminant peut tout simplement, lorsque le discriminant nous donne un complexe, alors là également, on a deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Mais attention, ici, puisque delta va avoir la forme d'un complexe, puisque delta va avoir la forme d'un complexe, eh bien, nous devons donc en déterminer les racines carrées. Donc, on va écrire, on recherche les racines carrées que nous appelons delta 1 et delta 2 de delta, hein, c'est-à-dire le discriminant. Donc, le discriminant étant complexe, et nous allons rechercher les racines carrées de delta. Ces racines carrées vont nous donner delta 1 puis delta 2. Après les avoir obtenues, eh bien, nous présentons donc les deux solutions distinctes. Les deux solutions distinctes, Z1 égale moins B plus delta 1 sur 2A. Bon, c'est peu clair à ce niveau. On va ramener la chose ici. Alors, nous avons dit que nous avons deux solutions distinctes. Lesquelles? On a donc Z1 qui va être égal à moins B plus delta 1 sur 2A et Z2 qui va être égal à moins B plus delta 2 sur 2A. Voilà donc ce que nous pouvons retenir. Donc, il y a quatre cas. Alors, nous allons prendre quelques applications pour voir comment cela peut être appliqué. Alors, exercice. Résoudre dans C les équations suivantes. Les équations suivantes. Alors, la première équation que nous notons, E1, nous donne Z au carré plus Z plus 1 égale 0. On peut directement déjà résoudre cette équation et on va en rajouter d'autres au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, ici, E1 est de la forme. Donc, on peut écrire E1 est de la forme A multiplié par Z au carré plus BZ plus C égale 0 avec A, donc en agissant par identification, avec A égale 1, B égale 1, et C égale 1. Et on calcule le discriminant. B carré moins 4A multiplié par C. Le discriminant sera donc égal à 1 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par 1. Le résultat nous donne 1 moins 4, ce qui nous donne moins 3. Alors, ici, nous obtenons moins 3. Moins 3 est un réel négatif. C'est un réel négatif. Et on a dit par rapport aux quatre cas présentés,
On a dit lorsque le discriminant nous donne un réel négatif, eh bien, nous avons deux solutions distinctes. Donc, nous notons, on a deux solutions distinctes. Quelles sont donc Z1? On rappelle la formule. Moins B moins I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A. Et Z2 égale moins B plus I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A. En application numérique, on obtient Z1 égale donc, moins 1, hein, B est égal à 1, moins 1, moins I, et la racine carrée, pardon, la valeur absolue de moins 3 nous donne 3. Donc, racine carrée de 3 sur 2, multiplié par 1. 2 multiplié par 1. Alors, ça va donc nous donner moins 1 demi moins I racine carrée de 3 sur 2. On peut toujours, selon le même principe, calculer Z2. Eh bien, on va donc avoir moins 1 plus I racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, nous les séparons de sorte que la distinction entre partie réelle et imaginaire soit claire. On obtient donc moins 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2. Bien. Nous prenons encore un exemple, E2. Nous avons une équation de la forme Z au carré moins 6 multiplié par Z plus 9 égale 0. Alors, là également, nous allons agir par identification des coefficients A, B et C. On rappelle donc E2 est de la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0. Donc, par identification, on obtient une valeur de A qui est égale à 1, une valeur de B qui est égale à moins 6 et une valeur de C qui nous donne 9. Après les avoir obtenus, on peut donc calculer le discriminant. Le discriminant, on rappelle encore une fois de plus, nous avons B au carré, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4, multiplié par A qui nous donne 1, multiplié par C qui nous donne 9. Ainsi, on peut avoir 36 moins 36 égale 0. Nous sommes dans le cas où le discriminant est nul. Et lorsque le discriminant est égal à 0, on a une racine double. On peut donc écrire E2 admet une racine ou solution double. Que nous pouvons noter Z0. Il nous donne donc moins B sur 2A. Donc Z0 est égal à
Donc moins, moins 6 sur 2a. Donc sur 2 multiplié par 1. Ça nous donne donc 6 sur 2 égale 3. Donc l'équation E a pour solution 3. Nous prenons l'équation E3. L'équation E3. E3. Alors l'équation E3 nous donne Z au carré moins Z moins 2 égale 0. Alors donc, par identification, on a A égale 1, B égale moins 1 et C égale moins 2. On calcule le discriminant. Discriminant égal. En application numérique, donc B c'est moins 1 au carré moins 4 multiplié par A qui nous donne 1 multiplié par C qui nous donne moins 2. Et nous faisons les calculs. Moins 1 au carré nous donne 1. Moins 4 multiplié par 1, ça nous donne moins 4. Multiplié par moins 2, ça nous donne 8. Donc ici, nous obtenons 9. Eh bien, le discriminant ici nous donne un réel positif. Et lorsque on a un réel positif, eh bien, on a deux solutions distinctes. On a deux solutions distinctes. Alors, on va donc rappeler la formule permettant donc de déterminer ces deux solutions distinctes lorsque le discriminant correspond à un réel positif. Donc, on peut avoir Z1 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A et Z2 égale moins B, moins, on peut alterner, on peut mettre plus ici, puis moins là. On peut mettre plus là ou moins, peu importe. De toutes les façons, les deux racines peuvent être obtenues. Alors, ici, nous avons donc, en application numérique, Z1, Z1 égale... Donc, 1 plus racine carrée de 9 sur 2 multiplié par 1 égale donc 1 plus 3 sur 2. Ça nous donne 2. Z2 égale 1 moins racine carrée de 9 sur 2 multiplié par 1. Nous obtenons donc 1 moins 3 sur 2 égale moins 1. Donc, l'équation E3 a deux solutions distinctes, à savoir Z1 égale 2 et Z2 égale moins 1. Ou selon ce qu'on a utilisé, on peut aussi mettre, on peut inverser et ça donne toujours les deux racines. On va prendre un autre exercice. Exercice 2. Exercice 2. Alors, on nous demande de résoudre dans C les équations suivantes. Résoudre dans C. Résoudre dans C
les équations suivantes. Résoudre dans C les équations suivantes. Donc, on a E, la première équation, qui nous donne donc Z au carré moins 5i multiplié par Z moins 6 égale 0. Puis, nous avons E prime qui nous donne Z au carré moins facteur de donc 1 plus 3i multiplié par Z plus 4 plus 4i égale 0. Alors, dans l'exercice 2, on nous a donné deux équations, E et E'. On commence donc par la première équation. Corriger 2. La première équation, E, Z au carré, moins 5i multiplié par Z, moins 6, égale 0. On rappelle, E est de la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0 avec A égale 1, B égale moins 5i et C égale moins 6. On va donc calculer le discriminant. Discriminant égal B au carré moins 4 AC. Le discriminant sera donc égal à moins 5i, donc la valeur de B, moins 5i au carré, moins 4 multiplié par A égale 1, multiplié par C égale moins 6. Le discriminant sera égal donc à 25i au carré plus donc 4 fois 6, 24, plus 24. Or, i au carré nous donne moins 1. Ainsi, on va donc avoir 25 multiplié par moins 1, ça nous donne donc moins 25, plus 24, ça nous donne moins 1. Et donc ici, le discriminant appartient à R moins. Donc quand le discriminant est en réel négatif, eh bien, nous avons deux solutions distinctes. On a deux solutions distinctes. On a deux solutions distinctes. On va donc rappeler ces deux solutions. Z1 égale moins B moins I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A et Z2 égale moins B plus I racine carrée de la valeur absolue de delta sur 2A. Alors, en application numérique, nous obtenons Z1 égale, donc on a moins B, donc 5i, moins i, bon, racine carrée
Bon, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, ça me donne tout simplement i sur 2 multiplié par 1. Nous obtenons donc 4i sur 2, donc 2i. Z2 égale 5i plus i sur 2 multiplié par 1 égale 6i sur 2 égale 3i. Donc l'équation E a deux solutions distinctes, à savoir Z1 égale 2i et Z2 égale 3i. Nous prenons donc l'équation E prime. L'équation E prime nous donne Z au carré moins facteur de 1 plus 3i multiplié par Z plus 4 plus 4i égale 0. Alors là également, nous rappelons la forme de l'équation E prime, qui est une équation du second degré à résoudre dans C. Donc, E prime est de la forme AZ au carré plus BZ plus C égale 0, avec A égale 1, B égale moins facteur de 1 plus 3i, et C égale 4 plus 4i. On va donc calculer le discriminant. Discriminant égal B au carré moins 4AC. Le discriminant sera donc égal à moins facteur de 1 plus 3i au carré moins 4 facteur de A qui nous donne 1 multiplié par B qui, pardon, multiplié par C qui nous donne 4 plus 4i. Et à partir de là, nous allons donc développer. Delta sera donc égal à, si on veut, on va y aller lentement, puisque c'est au carré, donc nous avons l'expression deux fois. Et là, on peut directement faire le produit. Ça nous donne moins 4 multiplié par 1, ça nous donne moins 4. 4 plus 4i. Et donc ici, nous obtenons 1 plus 3i, facteur de 1 plus 3i. Donc 4, moins 4 multiplié par 4, ça nous donne 16. Moins 4 multiplié par 4i, ça nous donne moins 16i. Donc discriminant sera égal à, on développe ici, nous avons 1 plus 6i plus 9i au carré. Moins 16i. Le discriminant sera donc égal. Or, i au carré nous donne moins 1. Donc, nous allons avoir 9 multiplié par moins 1, ça nous donne moins 9. Donc, moins 9, moins 16, ça nous donne moins 25. Plus 1, donc moins 24. Moins 24. Et là, nous obtenons moins 10i. Alors,
nous avons obtenu la valeur de delta. On se rend compte que delta est un complexe. Eh bien, pour trouver les solutions de E', il faut avant tout déterminer les racines carrées de delta. Eh bien, pour déterminer les racines carrées de delta, nous allons devoir utiliser l'une des deux méthodes, hein, là où on avait déterminé la racine énième, tout comme on peut utiliser la méthode où on déterminait les racines carrées. On va prendre la méthode la plus simple. Alors, on va donc écrire, d'abord, on a deux solutions distinctes. Delta appartient à C, alors on recherche les racines carrées précises delta 1 et delta 2 de grand delta. Alors, on va donc utiliser la formule. Donc, considérant donc delta égale à petit delta 1 au carré ou delta égale à petit delta 2 au carré avec petit delta de façon générale égale x plus iy. Alors donc nous, dans cette approche, nous allons rechercher les valeurs de x et de y pour pouvoir obtenir delta 1 puis delta 2. Soit le système suivant. Donc à travers ce système, nous allons donc déterminer les valeurs de x et de y. Nous avons donc x au carré moins y au carré qui nous donne la partie réelle de delta, moins 24. Puis nous avons x carré plus y au carré qui nous donne le module de delta. Donc, module de delta que nous pourrons déterminer. Puis nous avons la partie imaginaire qui nous donne donc moins 10. Alors, pour compléter ce système, on peut donc calculer le module de delta qui nous donne tout simplement moins 24 au carré plus moins 10 au carré. Alors, 24 au carré, ça avait été calculé. 24 au carré nous donne 576 plus moins 10 au carré qui nous donne 100. Donc, delta nous donne racine carrée de 676, ce qui correspond donc à 26. Donc 26 au carré nous donne 676. On peut donc remplacer les éléments manquants de notre système. Ainsi, on peut avoir x au carré moins y au carré
égale moins 24, x au carré plus y au carré égale 26, puis x, y égale moins 5. On a fait directement le calcul. Alors, on peut considérer ceci comme la première relation, la deuxième, puis la troisième relation. On va donc extraire de ce système les deux premières relations et avoir cet extrait. X au carré moins y au carré égale moins 24. X au carré plus y au carré égale 26. Donc, par combinaison linéaire, nous obtenons 2x au carré égale 2. Alors, à ce niveau, on peut donc déduire la valeur de x. Donc, x au carré égale 1, donc ce qui implique que x soit égal à moins 1 ou x soit égal à 1. On peut donc mettre pour x égale moins 1, on regarde la valeur de y qui lui est associée, mais dans cette relation, dans la relation 3. Donc ici, nous avons le produit des valeurs de x et de y qui nous donnent un résultat négatif. Ça montre déjà que x et y sont deux signes contraires. Ainsi, donc en remplaçant directement là, on va avoir moins y égale moins 5, ce qui nous donne y égale 5. Et donc on peut déjà constituer delta 1. Delta 1 sera donc égal à moins 1 plus 5i. C'est la première valeur de delta. Alors, pour x égale 1, on remplace toujours dans la relation 3. Ah, attention. Oui, c'est bon. Alors, donc, quand on remplace, nous obtenons donc y égale moins 5. C'est-à-dire qu'on a une fois y égale moins 5. Et donc y égale moins 5. Et delta 2 nous donne 1 moins 5i. Après avoir obtenu donc les deux racines carrées de delta, on peut donc déterminer z1 et z2. Déterminons les deux solutions distinctes. Les deux solutions distinctes. Alors, lesquelles se présentent de la manière suivante. Z1 égale moins B plus delta 1 sur 2A. Et Z2 égale moins B plus delta 2 sur 2A. Après avoir donc rappelé ces formules, on passe donc à l'application numérique. Z1 sera donc égal à 1 plus 3i plus delta 1 moins 1 plus 5i sur 2a. A est égal à 1. Voilà. Et donc, à ce niveau, on peut donc avoir 8i sur 2, ça nous donne donc 4i. Z2 sera donc égal à moins b, donc 1 plus 3i plus petit delta 2. On obtient donc 1 moins 5i
sur 2 multiplié par 1. Et donc, on va avoir 2 moins 2i sur 2. Donc, au bout du compte, Z1 sera égal à 4i et Z2 sera donc égal à 1 moins i. Voici donc les deux solutions associées à l'équation E'. Bien, le cours sur la résolution des équations du second degré dans C est à présent terminé. Vous allez donc suivre dans la suite des programmes la partie sur les équations se ramenant au second degré avec M. Mpika Guérichard. Merci, au revoir.